Satouche Libilac. Je ne crois pas que c'est une expérience personnelle et non plus que ça correspond à une vision que j'ai moi de la musique. Je ne crois pas qu'un autre chef pourrait, en essayant d'obtenir ce que je veux obtenir, je ne peux pas qu'un autre chef pourrait faire différemment. Il y a une technique qui vient du fait que l'orchestre est un grand moteur où il y a un ordre de priorité. On doit savoir quelle est la roue qui tourne plus vite. Parce que vous savez ce qui se passe dans un moteur, si les roues tournent toutes à la même vélocité, à la même vitesse, il s'arrête. Donc il y a un ordre de priorité aussi en musique. La musique, elle ne s'arrête pas parce que les mesures se suivent dans le temps. Mais du point de vue musical, elle s'arrête mille fois, elle ne continue pas. J'ai perdu 8 ans de ma vie, surtout le temps de Berlin, quand je faisais comme les autres, rien d'autre que essayer de coller des effets que je pensais d'être très dramatiques sur une musique que je considérais dramatique. On pense depuis 70 ans qu'il y a une manière d'objectiviser le matériel. Anselme, c'est l'un qui a pensé beaucoup, il nous a laissé des témoignages très essentiels, très importants, que le monde n'a pas compris d'ailleurs, mais ça ne fait rien parce que ce que je dis moi, c'est non plus compris.